messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant la moisson qui se poursuit malheureusement difficilement en France. Nous ferons ensuite le point sur les inondations en Chine qui pourraient dégrader le potentiel de production des maïs. Nous tenterons de comprendre pourquoi les cours du colza n'arrivent pas à casser la zone des 550 euros par tonne sur Euronext. Et enfin, nous parlerons du potentiel de production des maïs brésiliens qui ne cesse d'être revu à la baisse de jour en jour. La moisson se poursuit difficilement en France et les agriculteurs saisissent la moindre fenêtre de tir entre deux averses pour récolter. Rendement et qualité sont très hétérogènes selon les régions, les variétés, mais aussi les parcelles. Au printemps, on espérait un très bon potentiel, mais le climat nous plonge dans la déception. Tant que les moissons ne sont pas finies, on ne peut pas encore quantifier la part des blés fourragés, mais la perspective d'une récolte française de blé tendre au-dessus de la moyenne est de moins en moins probable. Seule conséquence positive, cela soutient les cours sur Euronext. En proie à des inondations catastrophiques, certaines régions chinoises pourraient connaître des déboires pour leur production de céréales. En effet, ces inondations concernent majoritairement le nord du pays, qui est la principale zone de production de blé et de maïs. Si cela n'aura pas d'impact sur le blé, car il est déjà récolté, en revanche, la situation se tend pour les maïs, qui sortent à peine de leur phase de floraison. Une autre conjoncture négative qui va tendre un bilan mondial en céréales, déjà plus que tendu. Les premiers bilans de récolte en France du colza sont positifs avec des rendements corrects. Mais le problème est que la moisson a aussi débuté en Ukraine avec le même constat. Alors oui, on sait déjà que les industriels français vont manquer dans les prochains mois de colza. Mais paradoxalement, les analystes restent encore sereins et cela empêche, je dis bien pour l'instant, le colza de dépasser la résistance des 550 euros par tonne sur Euronext. Mais n'oublions pas la sécheresse qui affecte les canolas au Canada, ce qui limitera de fait le potentiel de baisse et pourrait même soutenir les cours du colza à moyen terme. 85 millions de tonnes, c'est le potentiel de production des maïs brésiliens qui ne cesse d'être revu à la baisse. Après la sécheresse en début de cycle dans le Paraná, c'est le gel qui a désormais raison des rendements. La production de maïs au Brésil avoisinerait donc les 85 millions de tonnes, bien loin des 100 millions de tonnes initialement prévues. Une telle production freinerait les exports qui devront être, in fine, compensés par d'autres fournisseurs. Les acheteurs internationaux croisent les doigts pour que le potentiel des maïs ukrainiens reste élevé et qu'il ne soit pas compromis en fin de cycle. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le partager à tous vos collègues et à tous vos amis. Je vous souhaite les meilleures moissons possibles.